Initiating system 1. System 1 loaded. Hey hoyo, c'est Kocho. Aujourd'hui, je suis de retour sur Warframe en compagnie avec Taisho et Tickloose. Donc voilà, donc c'est parti, bon visionnage. Dans l'espace. Ah, c'est toi le vaisseau rouge, t'as un vaisseau ouais. Malade. Sérieux. Et alors ça apporte quelque chose ou c'est purement design? Purement design, c'est esthétique. D'accord. Ah mais tu peux. D'accord. Là, tu peux pas faire une collision. Ça. En tout cas, moi, ce jeu, pour la petite anecdote, je l'avais testé donc sur la One, j'en parlais tout à l'heure, et je n'étais pas spécialement convaincu. Mais là, sur PC, dans le genre free-to-play, je suis agréablement surpris. Oh, elle doit être d'accord, mais toi, t'es un... Oh putain, d'accord. Mais toi, t'es un démon, quoi. Un démon. J'ai un samouraï démoniaque. Ah ouais, non, mais carrément. Carrément. Bon. Et là, actuellement, je suis avec mon nouveau personnage, là. Oh là là, vous allez trop vite. Je suis un noob. Je suis un putain de noob. C'est parti. Je viens du Pakistan. Vas-y, prends tous les loot. Ouais, je prends des trucs ici et là. Pour toi, lui, c'est quelques kills pour qu'il puisse. Rentre, je crois qu'il y a un boss à la fin. Vous avez trouvé le VIP. Ne me laissez pas. Ok. Ok. Ah non, mais vous êtes déjà super loin. Moi, je me balade et tout, je regarde. Tu sais, je suis en train de me dire, ah, joli ce jeu. Niveau supérieur, bah ben, écoute, j'ai rien fait, c'est parfait. Ah, ça c'était mon chat. J'ai pas suivi mon mia chaou. Ah putain, mais je vous ai pas suivi. Non, mais moi j'aime bien, tu vois, je suis pas du tout. Ah, y'a. Veuillez bien à suivre ma personne, s'il vous plaît. Ah, mon flingue a disparu, c'est normal ça? Pas compris. Les enfants! Ok, ah, attends, bah, j'arrive. J'arrive. Voilà. Ah, bah on a mis trop de temps, du coup ça a fermé. Ah, shit. Bah il faut ouvrir tout simplement. Non, non, mais attends, on est dans le. What? Je suis en train de récupérer, machin. C'est quoi ça? F. Ça m'intéresse, c'est vérité. Eh pétard, c'est chaud le nouveau truc pour pirater. Bon, la porte est ouverte. Bon. Dors mon arbalète. L'arbalète, voilà. Très stylé. Ouais, j'ai des... On va dire des... gentils griffes. Je suis le mar. Je suis à fond, moi je pige rien. Y'a un prisonnier, Tiens, moi je t'ai buté, moi le prisonnier. J'ai sa mère les prisonniers. Ah, foutre. Alors, excellent toi, bah, j'ai juste rien compris. On sent bien que le jeu, vous avez des heures et des heures de jeu, puisque là, moi. Ouais, on l'a trahi. 500 heures de jeu là. Ouais, ah non, je suis très loin de ça. Je dois en avoir 2,5. Pour moi, ce jeu aussi, je l'ai vraiment fermé. Je sais pas combien j'ai d'heures, mais. Et en tout cas, j'ai vraiment pensé. Boucherie. Oh, fallait par où là? Ah bah attendez-moi les gars, attendez. Les gars ils s'en vont tout seuls, ils m'attendent pas quoi, salut. J'ai trouvé un truc ça.
Alors. T'es chaud. Ah ouais, j'ai une arbalète, ah oui, c'est vrai. Mon arbalète a one shot. Bon, c'est pas ce niveau à one shot. Là, le niveau 29. Qui a fait un peu mal. Hein. Bon, là, on est arrivé. Bah ouais, c'est très. C'est court, très hein. Rapide. Ouais, c'est court cette partie. Mais je pense que pour le prochain round, on va lui faire une petite survie hein, à notre ami. Hein. Ouais, une survie, ça collera mieux, ça le fera XP de malade. D'accord, bah parfait. Rendez-vous au point. D'accord, mais j'ai juste rien eu le temps de suivre de ce qui se passait. Pou de diamant, machin, ok, je gagne des trucs. Ok, pour l'instant, j'ai même pas conscience de ce que ça va m'apporter. Pour améliorer ton personnage, c'est. Bon, allez, je suis parti, les. Allons, je suis Apollo, ouais. Sur Apollo de Russe. Sur Apollo 13. Nera Thomas, Kevin Bacon. Oh, sympa. Je laisse tout seul sur ce van, je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, ça te rejoint par un pick-up de Balzin. Apollo 13. Tu l'as jamais vu, Apollo 13 Non. Ah, oh, et ben, à l'occasion. Bon, maintenant, ça vit avec Gravity et tout, ça fait un peu cheap. Mais à la base, Apollo 13, c'est tiré d'une histoire vraie. La vraie histoire d'Apollo 13. Et c'est trois cosmonautes américains qui étaient partis pour aller sur la Lune. Et en fait, ça foire plein pot et ils se retrouvent à être en limite d'énergie, d'oxygène et tout le bordel. Et voilà, c'est la merde, quoi. Donc, vu, elle est sexy, hein, regarde. Et donc, il y a... Ah, attends, t'es où? Ah ouais. Yes. Ah ouais, excellent. Excellent. Oh, t'es prêt là, t'es kilos, j'espère. Pas du tout. Je sais même pas... Bon, le but, c'est survivre. En mode survie... C'est dans l'espace, en plus. On va ramasser des capsules d'air sur les mobs ou dans les coffres. D'accord. Et le but du jeu, c'est de survivre le plus longtemps... aux parce vagues d'ennemis qui vont arriver. L'oxygène descend aussi, c'est ça? Oui, ouais, non. C'est ça. Tu vois en haut à gauche à côté de la map. Système de survie. Voilà, et ben c'est de l'air. D'accord, ok. Et quand ça arrive à zéro, ben il n'y a plus d'air et on peut vite crever. D'accord. Mais c'est d'une efficacité, moi je vais être un gros naze. Bon, au début, normalement ils sont très faciles à tuer. Et après, ça se corse au bout de niveau 15 minutes. Ça commence à être chaud, ainsi de suite. Hier, on est resté jusqu'à 38 minutes. Hein. Et les mobs ils étaient de notre level quoi, niveau 30. Et en plus ça, on a pas sauvegardé, ça c'est con ça. Activer la capsule de survie. Ouais. Mais ça fait quoi si j'en active la capsule de survie? Non, le fais pas. Ah, j'en sais rien, ça fait quoi? Mais en fait ça remonte de 30% je crois normalement le décompte de deuxième. Voilà, il dit en fait faut le faire à 70%. Eh bah ouais, sinon tu fais de la perte. Ouais, parce qu'après en fait y'en a un autre qui réapparaît pas loin, mais il faut le garder le plus lentement possible. Oui. Après, c'est la merde, tu vois. Ok, ok. Après, c'est nos risques et périls. Oh, je sais plus, c'est quoi ça? Toi, tu meurs, bien. Moi, je fais la boucherie là. Ouais, moi, je fonce dans le tas avec ma lame, hein. Ça marche mieux, j'ai l'impression. Et on garde les chronènes, hein, on est comme ça. Ah, mais en fait, on reste jamais au même endroit. On avance perpétuellement dans le truc. Des fois, tu peux aussi revenir au même endroit où t'étais tout à l'heure. Parce qu'en fait, il y a des vagues, c'est par invasion, on va dire. D'accord. Bon, ben. Ok. Mais. Santé. Oh, mais je vais crever. J'imagine que le rouge en haut c'est la santé, le bleu c'est l'énergie. Ouais, c'est non, ouais. C'est ton bouclier. Ah putain, mais j'ai 3 de santé quoi. Et on peut faire gaffe. Je me dirige vers toi en cas où si tu tombes. Ah, j'en ai trouvé la 28. Viens là. Attends, derrière. Des trucs. Voilà, 28. Voir, si t'as de la vie, tu veux de la vie. Ouais, c'est là où je suis là, tu vois. Là, marche sur le truc rouge. Tu vois un truc au fond, non? Ça là, le truc rouge là, ça là, ici. Ouais, mais ça je le prends pas. Oh non, c'est bon, je l'ai déjà pris moi. Ah.
Non, parce que sinon c'est des boules rouges. Si tu vois des boules rouges équivalentes au bleu, ça t'en donne de la vie. D'accord, d'accord, ouais, j'en ai vu tout à l'heure, mais c'était pas assez quoi. En tout cas, Oh putain. M'amuse bien là. Ah, mais merci. Ah. Putain, putain, putain. Ouais, que mon truc a le temps de se recharger. Voilà. C'est ce qu'on appelle une boucherie en bonnet du forme. Ah, et là, c'est pas mal. Ou même en bonnet haut de forme. Allez, salut. Putain. Bordel, il est où? Waouh. Putain, je suis toujours à 28%, mais je me trouve une ou deux trucs de santé là, ça serait bien. Pourquoi pour me déplaire comme ça? C'est pas pour me déplaire. Du tout, putain. Voilà. 53, allez, c'est nul. Je reviens. Alors, je ne vois plus personne, ils ont peur ou quoi? Ah non, des murs, pardon. La capsule de survie, on est à... Ouais, tu peux trouver un plat résistant qui leur résiste, c'est pour ça. Qui est moi. Bon, Tekilouz, je reste à proximité de ta personne. c'est très, très aimable. Je sentais une chaleur là dans mon dos, je me suis dit, tiens. Ah, tu sentais pas une bosse aussi là? Je me suis dit, tiens, c'est un rouleau de monnaie ou t'es content de me voir? Ok, j'ai encore regagné de la santé. Les gars, si vous avez besoin de moi le printemps ou n'importe quelle heure de la semaine, je peux venir faire le ménage hein, si vous voulez. J'apporterai mes Cronen. Très aimable. Bon, bien sûr, il y a mes griffes de chat qui s'en occupent, t'inquiète pas. C'est bien où? Sûr, je ne fais pas dans la finesse. Hein. Moi, je fais dans la dentelle. Dans la dentelle. Rien dans la finesse, tout dans l'élégance, c'est le charme le plus absolu. Alors, ici, il y a que le cheese, il y a de la santé là-dedans. Voilà, 103. Voilà. Ok. Oh, je viens de te faire un combo là. Ouh. Je suis complètement loin de vous. Ah, il est passé où le... Ah, il est là-haut, mais... Que fais-tu là-bas? Je redescends, Moi, je suis parti me balader, chercher de la santé. Ouais, je suis parti me chercher une sangria, Ouais, je suis parti me chercher une pelote de laine, des aiguilles. Et là, je me sens beaucoup mieux. Et tu veux lancer la pelote pour que je vienne te chercher ou pas? Oh putain. Voilà. Bon, ça va pas mal déjà, niveau 3, 4. Enfin, là, j'imagine que c'est parce que c'est les premières vagues. On va aller les chercher un petit peu les ennemis, je crois. Voilà. Hey, mon dîner. En tout cas, j'aime beaucoup. J'ai mis des dégâts de radiation sur mon arme. Et du coup, les ennemis ils fondent. Ah, c'est assez classe. J'ai constaté que moi, quand j'ai prenais ma lame, si je maintiens. Les ennemis, ça les fait se désintégrer aussi. Et normalement, si on finit dans les temps, tu devrais XP comme un gros porc. Tu devrais monter au moins de 10 niveaux normalement. Ah oui, d'accord. Au moins 10 niveaux là. Ouais, parce que c'est une survie, en survie tu c'est plein de monstres à dégommer donc. T'as une chance. Additional weapon support has arrived.
C'est un sacré bordel en fait. C'est ça. Et quand on est tous concentrés au même endroit, par contre, il y a plus d'ennemis. Hein. Enfin, je vais pas vous dire. Mais... D'accord, d'accord. Et donc toutes ces espèces de trucs que je récupère, ça fait comme des cartes qui améliorent mon... Ouais, c'est des cartes que tu pourras utiliser sur ton personnage, tes armes, et par la suite aussi les upgrades pour qu'ils soient plus forts, on va dire. D'accord. Pour et donner plus de passifs. Pour aller cumuler à l'infini ou vous voulez un nombre limité quoi. Cumuler, c'est-à-dire. Bah, genre toutes les cartes. Le mettre sur ton personnage, ouais, t'en as 8 emplacements, je crois, ou 6. Non, c'est 6 emplacements, je crois. Okay. Après, c'est toi de les combiner avec les bombes. Attends, Tekilouz, on arrive, enfin, j'arrive en tout cas. J'ai fait un sac, oh putain, j'ai fait du ménage. La dame de ménage, elle arrive. Ah là, ça va bien. Ouais, extraterrestre de merde. Théoriquement, c'est des humains. Alors... Ils ont une sale gueule, pour moi, c'est des humains. Ouais, bah c'est des humains, on va dire, concierge. C'est des humains concierge le week-end, quoi. Attends, de la santé. Ah. T'as fuck. En tout cas, moi je vous vois ma boucherie quand vous voulez. Hein. Et moi, c'est pas du halal, attention. Ouais, c'est 100% viande humaine. De joie. Moi, si vous voulez, je suis coiffeur à mi-temps. Je peux vous faire une coupe bien dégagée derrière les oreilles. Moi, je fais et la gage paysagiste. Si vous voulez des tuyaux comme personne, eh ben, ne m'appelez pas. Voilà, voilà. Putain, moi, je tourne rond, moi. Tout ce que je vois, je me le farce. Un coup de dague de Wolverine. Excellent. Mais franchement, elle est stylée, c'est un bien, les armes comme ça, ouais, elle est pas mal, j'avoue. Ah, le mélange arme à feu corps à corps, je trouve ça très cool. Ouais, c'est fait très, comment dire, ninja. Ouais, c'est ninja d'espace. J'adore, moi. C'est pas les zinzins d'espace, c'est les ninjas d'espace. C'est ça. Alors... D'un coup, il n'y a plus personne. C'est presque chelou. Il n'y a plus personne. C'est normal, je suis passé... j'ai passé le karcher. Hop là. Une coupe en tranche dans le vif. Tranche dans le vif. Bordel. Bordel. Voilà. Neko. Je suis loin de là. Oh, un objet rare, là où je suis. J'avais un Oui. Bien là où je suis. T'as un objet rare là, derrière toi. T'es chaud, ok. Voilà. T'es où? Tu l'as ramassé normalement. J'ai absolument rien vu. J'ai absolument rien vu ce. Ah, y'a pas un halo jaune? Bah non. Oh putain, c'est lui qui me fait mal. Lui, il a lâché un truc. Non. Oula, il y a déjà une lance-roquette. Ça a piqué grave, ça. Ah tiens, là, j'ai trouvé un truc. Ah,
que c'est. Vraiment beau. J'en ai une chose parce que là. Okay. Faudrait activer un truc là. Ah oui. J'y vais. Ah bah. Yes. Voilà, c'est bon. Oh, ils sont où les ennemis là? J'en vois plus là! Merde, je suis tombé, mec. Non mais. Je vais tuer mon grappin, il va rien comprendre lui. Hop là! Donc t'as carrément un grappin et tout en fait. Ouais, c'est mon pouvoir. Ah, excellent! On va dire, chaque personnage a son pouvoir de 4 pouvoirs en fait. Ouais. 4 grades, donc après, je crois que t'es avec un personnage que j'ai enfoui en premier, il est pas mal. De base, un personnage de qui tranche. Oui. Oui, moi j'ai le truc de base. Ah tiens, la santé, parfait. J'ai le truc de base avec katana, machin, équilibré, je sais pas quoi. Ah, moi je mets des headshots, mais de loin quoi. C'est Excalibur quoi, en fait. Après t'as carrément un truc qui te suit là au-dessus de la tête, c'est quoi ça? Ça c'est mon troisième ici à l'avoir, en fait c'est facile, c'est juste un drone. C'est un drone qui t'aide en fait, qui t'aide à tirer. D'accord. Ouais, on va dire c'est un pet robotique, si tu préfères. D'accord. Bon, j'ai bougé. Hein. En attendant il faut un ramasser un peu... C'est un peu légal tout ça. Y'a trop con. Ça me fait penser forcément, vous connaissez forcément les dominions du peuple. Et ça me fait penser que le gars il connaît absolument rien en informatique et il va voir un informaticien qui lui explique un petit peu et il fait ah bah il y a les courriers électroniques et puis le mec lui répond et on risque pas de s'électrocuter en échangeant l'enveloppe. c'est débile, putain mais j'ai perdu tout et tout, donc il y a pas d'ennemis. Ah si, je veux dire, il y a pas d'ennemis. Je commence à remarquer cette survie, c'est bien, parce que ça me permet de mieux piger un peu les réflexes et tout. Moi, je suis pas allé assez loin. Oh putain, oh la vache, qu'est-ce que c'est? Je me fais défoncer. Oh la vache. Je suis vers le truc principal, là, du début. Bon, j'active ça. Hop. Oh, je suis à 2 de santé, je suis mort. J'arrive. Ah, mais je suis pas encore tiré. C'est bon, je vais te... On va te raise avec Kuncho. Je fais nettoyage. Ouais, mais t'es hyper loin en fait. Oh joli. Il reste 0. Je suis mort. Bah pile au moment où j'arrive, le gars il meurt quoi. Réanimé. Ah, je suis vraiment désolé, j'allais te sauvegarder mais j'étais avec mon ulti et... T'inquiète. T'allais le sauvegarder, avec ta carte mémoire. C'est moi qui ai fait de la merde. Bon, tiens, en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, quand je tape avec des gants, mais grave puissant, et ça fait très très mal. Ah, je t'ai vu arriver comme une balle, c'était assez sympa. Ouais, je suis. Oh, c'est sanguinaire en fait. C'est mode berserker, on va dire. En plus, apparemment, il est bugué ou je sais pas, mais il dure longtemps le multi là. Je vais te défoncer, gavé de monde, mon ulti en fait après il se recharge. C'est un truc de bâtard ce ulti. Je vais rapide. Carnage. Oh putain, c'est quoi ça? Son bouclier de merde.
Bordel, je vais crever. Putain, le mec en foire avec ulti, c'est ouf. Normalement, il dure pas, pas si longtemps dans le monde. Au revoir. Alors, c'est limité ou normalement il y a une fin À mon ulti, je sais pas. Mon ulti, c'est celui qui fait. Prendre le sol. Ouais, mais là j'ai mon ulti, tu vois, Manu. Enfin, t'as chaud. Il dure longtemps, regarde, là je suis encore en mode berserker. Mais ce que je veux dire, c'est que la session de survie là, ça dure encore un moment ou... Ouais, ça dure jusqu'à. Ah, mais c'est bon, mon ulti est fini. Ça s'arrête du moment où on tire, tu peux plus tuer les ennemis. Parfait. Là, tu vois, ça commence à être vraiment chaud pour toi. Ouais, bon, c'est bon. Yes, merci. Yeah, Banka niveau 7. Ah c'est pas celui-là, c'est le Vectis qu'on devait recheter de base. Tu te rappelles du Vectis, Vectis Oui oui je m'en rappelle, t'inquiète. Mon arme favorite du sniping. Le truc je one shot les... tout ce qui passe devant toi. Moi j'ai débloqué un nouveau pouvoir, je peux l'en... Ah yes, je peux m'en servir direct en plus. Normalement je crois que c'est le flash, je crois que plus c'est le flash en monteur. Alors. Et le principal c'est celui-là que tu avances tout droit, c'est avec, tu sais, quand t'appuies sur... Oui, sur 1. Ouais, sur 1. Franchement ça c'est une technique, tu peux la faire à l'infini et on va dire devant toi, si t'as beaucoup d'ennemis, tu les tranches, tu les forces. Oui, ça fonce dans le tas et c'est... Des... Oh putain, ça pue. T'es où? Heureusement que j'ai mon fouet et que je l'ai mis en plein dans la gueule du soldat, ça l'a rapporté vers moi et ça l'a tué. Excellent, non, mais excellent ce jeu là, franchement, la petite survie. Il y a beaucoup de personnages qui sont sortis entre temps qu'on a arrêté. Ouais, putain, je sens le skill quoi, putain. Hein? Je sens le skill, t'étais devant moi, t'as glissé, machin, bidule en 2-2. Putain, moi je suis pas du tout à l'aise comme ça. C'est juste lui. Ah putain, fais gaffe, il y en a un qui fait très mal là, qui nous réduit. C'est bon, je l'ai tué. Un qui nous suivait, enfin, tu sais, quand tu vois une sorte d'aura sous tes pieds, c'est que c'est un pouvoir ennemi. Donc il faut que tu fasses gaffe. Et souvent c'est la bestiole qui a le, aussi le truc, même truc sur celui en fait. Ça fait une couleur comme la couleur qu'il y avait là, c'était une couleur orange quoi. Ouais. Et, bah gaffe en fait, plus tu te rapproches, plus tu feras mal ou un truc comme ça, ou je sais pas, c'est un truc impassif, plus de cible on va dire. D'accord. J'active. Ok, active le machin. On va dire voilà, on se
calme quand on joue en snipe sur ce jeu. Sur Call of, c'est pas la peine. Call of, hallucinant. Mais trop cool cette session Call of là, la forêt. Ouais, c'était pas mal, moi j'ai bien aimé. Ah, moi j'ai bien aimé aussi, puis surtout que c'était mon retour sur du FPS en ligne sur PC, je dois bien avouer que. Oh non, je tombe en vide. Ah, soit. T'inquiète pas, tu tues pas, mais. Du moins, c'est. Oh, pèse celle-là. Ah, c'est moi, il y a eu des choses. Moi j'aime bien les chasses, mais t'inquiète pas pour moi. J'aime bien les miaulements. Ouais, et puis je peux pas y couper, quoi. C'est vraiment. Oh, et puis là, c'est bon, le crème de la dalle. T'as le crème de la dalle, c'est mort. Ça serait pas un si à moi par hasard Pas du tout. Non, non, c'est un chat à 98% noir. Oh, appelez-moi quand c'est comme ça, les gars. J'ai pris cher dans ma gueule. Je commence à avoir un. Hop là, tout de suite meurs. Ce qui est nouveau, c'est pour moi, je vois, il y a des soldats qui posent carrément qui est par terre. Je me fais malmener. La vache. Ils ont réussi à me coucher, quoi. Bon, le plus proche, c'est qui? C'est Taisho. Ouais. Essaye de me rapprocher le plus rapidement. Je te vois. Allez. Voilà. Yes, GG, j'étais à 0. Putain. Ah! Putain. C'est terrible. Merci. Ouais. Oh putain. Oh putain, il y en a un gros là, oh là. Lequel essaie. C'est one shot le gros là. Bon là je suis en mode vénère là, je suis en mode mode berserker là. Ça va faire chier. Ça va chier des bulles. Ah c'est toi là, ah tiens mange. Charcuterie. Kiwi kebab. 100% naturel. Bon, c'est pas des covenantes, mais presque. Ah, les covenantes, ils me font triper. Ouais. Ah putain, je trouve pas la santé. Que là. Je pue un peu du cul, là. Mode Fury là. Bordel. Mode Fury. Oh la vache, y'a une putain de quantité qui arrive de là où je suis. Moi je vais crever là, 10 secondes. Ah yes. On est là. GG. Oh, vous avez toujours de malade aussi. Voilà. Oh bordel. Oh là là, ils sont trop nombreux, putain, mais je suis déjà par terre, ouais, là j'ai pas de niveau pour endurer ça. Faire tout ce que j'ai. What, c'est quoi tout ça là? Oh ma gueule, j'ai fait une boucherie. Le boss Berserker là, il donne un cœur joie là. Oh bordel. Passif là de ma Valkyrie, putain, il est bien rendu machin là. Oh, j'ai coupé la moitié du corps d'un mob genre à la verticale quoi. Ah excellent. Ça la sépare en deux. À la kill deal.
Bon, je crois que la horde qui était en face de moi m'a dit aïe, pas elle. Je l'ai tous défoncé. j'ai monté ma puissance, ma rage à 433. Oh my god. On va dire c'est assez hard quand même que j'ai monté jusqu'à cette puissance de dévastation. Dis-toi que les mecs, que les mobs là, ils ont 10 niveaux de plus que toi, Tikilouz. Ouais, c'est pour ça aussi. Là, je suis monté à 443. Ah, c'est forcément la galère pour moi. Bordel. Ouais. D'accord, si je fais rien, en même temps je suis con, je fonce dans le tas comme un bourrin, quoi. Yeah, Valkyrie, niveau supérieur. Oh yes, Estiri niveau 1. Que du monde. J'essaie d'arriver. J'ai que me faire défoncer. Ah bah il m'a sauvé mec, sympa. Je sais pas qui c'est mais sympa. C'est notre pick-up qui a une. C'est notre pick-up de Balzane. Je vais retourner la taille chaud. Je te lâche plus maintenant parce que j'ai plus du tout la puissance pour lutter. Mec, ça fait plus de chevaux en mine que je passe. Je me dis constant là. D'ailleurs, je fais que pas. En fait, mon ulti, tant que je tape le plus d'ennemis, en fait, en gros, il se désactive. Et là, je fais que taper des ennemis tout à l'heure. C'est mon mental. Oh la vache. Ah mais c'est fini moi. Ah putain, j'ai fait une belle série hein. Je suis plus un boulet qu'autre chose, quoi. Soigneux, j'suis en train de faire le ménage. T'es chaud? Je sais pas. Ouais, j'arrive. Je fais nettoyage et occupé. Moi, j'suis en train de faire un nettoyage surprise. J'suis en train de tout défoncer là, il est attaquable. Il est sympa le gars, il fait que 14. Ouais, il est super sympa. Hein. Parce qu'il a bien vu que j'étais un teubé. Il s'est dit, ah putain, encore un noob, chier. Oh, les effets de particules et tout là. T'as vu comment c'est bon? Ah, j'ai gros la chèvre. T'as vu mes particules là, moi? Quand je suis passé à côté de toi, non? Ah, quand j'ai mon ulti? Ah, non, j'ai plus. D'où le Sestra. Lui, il a une espèce de laser de ouf. Oh, pardon. Il balance des espèces de trucs lui. Bon allez, je suis en mode berserker, allez hop. Oh, je fais du bowling moi. Bon, je reviens vous voir, t'as vu. Il reste là, lui. Reste là tout seul.
D'ailleurs, regarde, man, regarde, je suis tout en rouge. Oh putain, il est super là. Putain, mais en main, c'est quoi? Voilà, je reviens vers vous, les gars. Oh, mon arc, il fait que derrière toi. C'est nul. Ah, voilà, je suis parti. Combien de miel? Terrani. Ah, merci. Y'a j'ai le troisième pouvoir maintenant. C'est bon. J'essaie de suivre parce que je récupère masse de trucs et puis parce que. Ouh, il y a trop de monde. Ça va, tu vas beaucoup. Je sais absolument pas où vous êtes, mais j'arrive. Pas de problème. Voilà, c'est une galère. Allez, à l'objectif, des joueurs nous attendent. Il a envie de partir en fait. Bah pour le coup je pense que je vais pas tarder à m'arrêter aussi parce que il commence à se faire un petit peu tard et puis ce chat qui commence à beaucoup trop fin. Bon, on se dirige alors, on va la sentir là. Allez, attends. Ah les gars, je vais crever. Bon, bordel, t'es où? Tu vas crever? Non. Bah oui, j'ai plus de bouclier, je vous dis depuis tout à l'heure. Ah merde. Bon, bordel, bah moi je suis par terre. Putain, je suis. Oh mais what? Et les mecs, mon passif, là, il est à 1261, ma gueule. Je suis vraiment enragé, là. Putain, moi, je fais rien avec mon flingue. Oh putain, lui aussi, il est à terre, on va s'en tous crever. T'es le dernier, Gunshot. Ah. Ouais, il reste moi, mais bon, je suis pas encore mort. Je me réanime. Mais bientôt. Je me réanime, hein, tant pis. Ah merde, je me réanime. Non, moi j'ai intérêt à faire gaffe, j'ai plus ma. Oh, mais je suis déjà à terre! Je dirige quand même je vais vers la sortie, parce que si on a un problème. Ah, oh, mais non, mais sérieux! Bon. Réanimé! C'est ma dernière. Avant-dernière réanimée. Bon, bah, je me casse. Oh, l'esquive ultime que je viens de faire là, c'est un truc de malade. Oh, je sais pas du tout par où il faut que j'aille. Par là, ah, par là. Je te couvre. Je vais rejoindre là-bas. Je cours comme une bête. Je vais te crever. C'est horrible. Hey, ils font hyper mal les mobs à ce level-là. Par où c'est? C'est pas du chemin. Ah, je suis. Moi je me barre. Hop. Ah, attends, ils sont. Les mobs ils sont au niveau 37, s'il vous plaît. On se barre, hein. On est bordel. Moi je me barre. Salut. Allez, objectif, des joueurs vous attendent. Oh putain, je peux pas passer. Vous êtes où? J'arrive. What the fuck? Oh, je suis par terre. Mais j'arrive pas à voir, j'ai pas compris. Oh putain, je suis juste au-dessus, t'as échoué. Je sais pas où t'es. Ah, c'est mort.
Ah si, c'est bon, il y a le mec, il est là. Mais... Parfait. Parfait, parfait. Voilà, je cours comme une bête. Ah, je crevais. Ah, je crevais, moi. Ah, enfin, il m'a mis à terre. Oh, bah, je suis par terre. Hein. Moi, je peux pas survivre. Je fais 2 mètres, je suis mort. Là, 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 tu vois. Je sais, mais tu peux ramasser. Il me reste une réanimation. Hop. Allez, ajustif. Putain, mais vous êtes. Je vais même pas vous trouver, quoi. Lika. Ah, là, c'est bon. Bordel, 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 bordel. Bordel de merde. Wow! Eh ben... Putain, dégâts infligés, c'est moi qui ai infligé les plus dégâts. Wouhou! Le gars, il a buté quasiment 1000 machins. T'as vu? Wouhou! Ah là, moi j'étais noob man, quoi. Bon, en oh. Temps, j'étais level 3. Effectivement, fallait pas que j'espère faire beaucoup. T'es niveau combien, maintenant? Non, t'as du UP, hein, max. Alors, je vais dire ça... Putain, j'ai tué 526 unités en mêlée. Bon, 445. Et 750 en arme à feu. Enfin, total. Enfin, non, total. Non, c'est total, ouais, 700. Ouais, 700 quand même. Parce que moi, je suis teubé. Alors, attends. Moi, je suis maintenant niveau 10. GG! Il est niveau. Passé du niveau 3 à 10, quoi. Ça va, c'est le niveau, ça va, ça le fait. Ouais, c'est tranquille. Merci beaucoup. Niveau 10, mon arc, il est passé niveau 13, alors qu'il était niveau 3 aussi. Mon gun, niveau 13, et mon katana, niveau 14. Parfait. Non, mais tout de suite, le début du jeu va être plus facile. Oui. Mais t'as vu, grâce à nous. Ah ouais, non mais carrément. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Merci beaucoup, c'était très cool. Et, en plus, et on a joué 40 minutes en plus, c'est ça le pire. Ouais, bonne grosse session. Et qui plus est avec vous, quoi. C'était super cool cette première soirée de jeu avec vous. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié aussi, avec ton chat derrière. Super chat. Le chat, faut que je lui donne à bouffer là, un peu plus. Il est où? Il est en train de dire... Nourris-moi, enfoiré! Oui, je pense qu'il y a un peu de vulgarité dans ce qu'elle dit. Ouais. Connard! Espèce de connard! Donne-moi à manger! Je vais voir cette nuit, je me mangerai, connard! Je pisserai sur ton PC! Je te pisserai à l'arrêt, voilà. C'est bon, je pisse à l'arrêt en zigzag, foiré! Bon, ben, sur ce, hein. Eh bien, tout à fait, sur ce... Attends, tiens, c'était peut-être un truc rare que tu disais. Vampire assassin... Bon, pas compliqué. Enfin, je regarderai tout ça plus en détail quand j'aurai du temps. Sur ce, ouais, on dit au revoir à nos... Ouais. Bah ouais, moi j'ai trouvé ça super cool. Que ce soit Call of ou là, Warframe, c'est perfecto. Un petit mot pour la fin. Ouais, un petit mot, ouais. Un petit mot pour la fin. Été. Un mot en 3 lettres, je pense que c'est pas mal. Un mot en 3 lettres. Un petit mot, quoi. On va essayer alors. Non, le petit mot pour la fin, bah écoutez, j'ai été ravi de cette soirée. La première qui sera, j'espère, suivie de plein d'autres. Et enfin, on a pu se parler, donc c'est super cool. Et voilà, très très bonne session. Vive les petits youtubeurs que nous sommes et vive le groupe. Et... Continuons sur notre bonne lancée, c'est au top. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ah, ouais. C'est du gros plaisir, là, on était bien. Faut qu'on reste tous soudés, tous unis, et exactement. C'est comme ça qu'on va aller loin, les gars. Exactement. La famille. Exactement, la famille. Et je vais vous sortir cette phrase que je sors presque à toutes les soirées, la première fois que j'y vais, histoire de marquer le coup. Alors sachez que je ne pense pas à ce que je vais dire, c'est juste pour que l'expression, vous l'ayez, et vous la ressortirez dans vos soirées... les soirées qui vous ont déplu. Donc là, la soirée m'a énormément plu. Mais cette phrase-là, vous la sortirez dans des soirées qui ne vous plaisent pas.
vous pourrez dire avec un grand sourire, j'ai passé une excellente soirée, mais c'était pas celle-là. Ouais, pas mal, c'est... Donc là, en l'occurrence, c'est totalement faux. C'était une excellente soirée pour de vrai. Mais voilà, je voulais que je vous la dise parce que il faut la ressortir quand c'est une soirée de merde. Quoi. Mais du coup, ça fait un long mot. Hein. Je sais pas si t'as pas mis de points encore. Non. Voilà. Non, je vous laisse la parole. Je ferme ma gueule. Gunshow, une petite phrase pour la fin. J'en ai pas trop, je vais juste dire ah putain pour une autre vidéo. Je crois que tout a été dit là. Ouais. Eh bien, je vais fermer cette phrase en disant que. Bon, déjà, il faut que t'ailles nourrir ton chat, c'est important. Ouais, ça, c'est trop... attends, je coupe là, c'est pas possible. Tu lui donnes du ton, je sais pas. Ouais, vas-y, je vais cacher le micro pendant que tu finis. Voilà. Et sur ce, je vous dis, passez une bonne soirée, une bonne journée, les gars. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous regardez. Et je posterai cette vidéo, et même une autre qu'on a fait avec toute la team, avec Monsieur Landers, avec Techie Loose et avec Gunshow sur Black Ops 3. On s'est bien amusé tout à l'heure. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, portez-vous bien. Bye. Et merci d'avoir vu cette vidéo en compagnie de moi-même, Taisho et Techie Loose. Donc je vous invite à voir plus tard d'autres vidéos de mes compères, de moi-même. Donc je dis à plus tard, c'était Gunshow, bye bye.